J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un vlog. Là, je me suis maquillée. Il n'y a plus qu'à ce que je mette mes faux cils. Je vais aller me lisser les cheveux là. Parce qu'aujourd'hui, je vois Julie. On se rejoint à 13h. Voilà, donc je vous emmène avec moi. Il est 13h, je vous ai pas filmé et tout quand je me suis préparée, j'étais un peu à la bourre parce que... Pourquoi déjà? Oui, parce que c'est de mettre mon bandeau Gucci dans mes cheveux. Mais j'arrive pas à le mettre dans mes cheveux, ça me va pas, du coup bah, je l'ai mis dans mon sac. J'ai retrouvé Julie. On est allé au McDo parce que bah, à chaque fois on dit on mange où. À chaque fois on s'envoie un message la veille, on dit on mange où demain. Chaque fois on dit je sais pas. Mais au final on est tout le temps au McDo parce qu'il y a rien d'autre d'ouvert en fait. Ouvrir les restos. On a pris McDo, on a pris toutes les deux le chicken avocado. Il est très bon. S'est arrêté devant la mer, c'est trop beau. Oui, on a la chance d'avoir la mer. Voilà, bon appétit. On a fait les magasins à l'avenue. On part, donc on part du parking. Et là, Julie a fait merde, j'ai oublié d'aller à Intersport. Du coup, on rentre dans le parking. On en profite pour faire des photos. On a trouvé un endroit, ça rend trop bien les photos. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Si vous voulez voir les photos, je vais en poster une aujourd'hui. J'adore. Du coup, je suis rentrée chez moi, je me suis démaquillée, j'ai pris ma douche, etc. Je vais aller me coucher juste avant, je voulais vous parler d'une marque, donc de la marque Kaya. Ils m'ont envoyé quelques produits que je teste depuis un petit moment et du coup, je viens vous en parler aujourd'hui. C'est des produits en fait qui vous permettent de vous déstresser, d'être de meilleure humeur, etc. Genre de vous donner un coup de boost. Je vais commencer par vous présenter une cure, donc c'est la cure Sweet Dreams que j'utilise en ce moment comme les autres produits. Je suis trop contente d'utiliser ces produits parce que pour ceux qui me suivent, depuis un moment, j'ai peut-être dû en déjà en parler, mais j'ai du mal à m'endormir depuis quelques années. Genre, je mets 2-3 heures avant de m'endormir. Et donc ça, c'est trop bien. En fait, c'est des gélules. Vous en prenez deux le soir avant de dormir. Ça va vous aider à vous détendre, vous endormir plus rapidement et tout. Donc c'est trop bien. Et s'il y a des nuits où vous n'allez pas vous endormir ou que vous réveillez en plein milieu de la nuit, vous pouvez prendre l'huile hyper simple d'utilisation. Vous avez une petite pipette. Vous mettez sous la langue. Vous laissez reposer environ 90 secondes, après vous pouvez avaler. Ensuite on a la cure Rise and Shine, donc ça c'est à prendre le matin. Pareil c'est sous forme de gélule, donc vous en prenez deux. Donc ça, ça va vous permettre de lutter contre le stress chronique, de renforcer l'immunité, d'être de meilleure humeur, avoir l'énergie à fond quoi. Donc voilà, pareil si ça, ça vous suffit pas, vous pouvez prendre l'huile. Donc pareil à mettre sous la langue et ça, ça va vous déstresser dès le matin et vous donner un petit coup de boost. Voilà pour les deux cures et les huiles qui vont avec. Je tiens juste à vous préciser que les cures, bien évidemment, c'est à utiliser sur le long terme. Contrairement par contre aux huiles qui sont immédiates, donc vous en servez et aussitôt ça marche. Ensuite, on a les chewing-gum relaxants comme ça. Donc ça, je les ai tout le temps dans mon sac à main. C'est à utiliser donc en cas de petits coups de stress. Donc voilà, vous prenez un petit chewing-gum. Et il faut savoir par contre qu'ils sont très bons. Genre ça n'a pas un goût chimique ou un goût de médicament, c'est vraiment un chewing-gum. Donc à la menthe, voilà. Ensuite, on a les gummies pour vous redonner le smile. Donc ça, c'est pour rebooster, donner de l'énergie, etc. Donc c'est petits nounours comme ça, j'en ai déjà mangé quelques-uns comme vous pouvez voir. Vous avez goût orange et fraise, moi mes préférés ceux à la fraise. J'adore, ils sont trop choux, ça sent trop bon. Et du coup c'est des produits qui sont 100% naturels et vegan. Donc voilà pour les petits nounours. Et ensuite pour terminer, un de mes produits préférés aussi, ça c'est une huile adaptogène. Ça c'est à utiliser en cas de gros coups de stress, donc vous prenez immédiatement. Vous mettez sous la langue, vous laissez un petit peu reposer, genre 90 secondes et ensuite vous pouvez avaler. En plus en ce moment je suis en train de passer mes heures de conduite parce que j'ai pas encore le permis. Donc ça, c'est bien dans mon sac, je vous le dis. Là, pour tous les produits que je vous ai présentés, vous pouvez les utiliser dans plein de situations différentes. Donc déjà pour les cures, que ce soit pour s'endormir, moi je suis trop contente, ça m'aide trop. Et pour le reste, par exemple les huiles, les bonbons, les chewing-gums, si demain par exemple vous avez, je sais pas moi, un examen hyper important, vous avez un entretien d'embauche ou même des trucs tout bêtes comme les embouteillages qui peuvent être assez stressants, vous pouvez utiliser ces produits sachant que c'est des produits qui sont petits, genre c'est hyper facile à mettre dans le sac à main, genre les chewing-gums et tout. Trop bien. Pour la composition, c'est des produits qui sont 100% naturels, qui sont vegan et qui sont composés du coup de plantes adaptogènes et de CBD. Pour ceux qui se demandent, le CBD c'est non toxique pour l'organisme. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà la marque, si vous allez tester, etc. En tout cas, moi je suis hyper satisfaite. Là, j'allais prendre ma petite cellule avant de dormir, donc voilà. J'ai un petit code promo pour vous, donc je vous le mets à l'écran, c'est Christina. Vous allez avoir moins 15% sur tout le site. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en servir. Je vous mets bien sûr le lien du site dans la barre d'information. Et je vous dis bonne nuit. Là on est samedi, il est 9h30, je suis à Paris comme vous avez vu sur la vidéo hier soir. Là j'ai fermé mes ongles, j'ai rendez-vous à 10h, du coup je suis partie avant.
Là, je vais passer le Starbucks, il est trop loin, mais je vais passer chez la durée si je trouve un truc à déjeuner. Enfin, si je trouve un truc à déjeuner, pardon. Et après, du coup, je vais faire mes petits ongles parce que là, ils ont grave repoussé. C'est horrible. Du coup, là, on est sorti. Je vous ai pas fait mes ongles, j'ai oublié. Oh, ma caméra, elle est pourrie. On va essayer d'aller chez Bershka. J'arrive pas à parler avec le masque. En plus, là, j'ai mis du gloss. Et je vais enlever mon masque. Ah. Il n'y en aura plus. Bon, là on fait la queue pour acheter. Déjà, on n'a rien pris chez Bershka. Et on fait la queue pour acheter. En fait, on va faire une dégustation japonaise. Je sais pas si vous m'entendez. Hein. Et du coup, on va acheter des trucs. J'ai trop hâte de goûter. Regardez, on s'est arrêté prendre des petites fraises au chocolat. Elles ont l'air trop bonnes. Ça vous intéresse, ça s'appelle comme ça à Paris. Et c'était 10€. Voilà. Bon, du coup, on est rentré là. On a filmé la vidéo dégustation. En fait, on a fait une dégustation japonaise et on n'aime rien. Tout est pas bon. Genre, je trouve tout a le goût du poisson ou est chimique. C'était pas terrible. Bon, bah voilà. Du coup, on va ranger le bordel parce qu'attendez, dans ce plan, je vais vous mettre le moment où elle ouvre la bouteille. Elle ouvre la bouteille. En tout cas, j'ai fait deux partout, genre. Affreux. Regardez, j'étais sur le pantalon. Oui, moi j'ai qu'une jambe. Hein. C'est normal. Et là, il y a vraiment de l'autre. Il y en a partout. Je sais pas si on va voir. C'est horrible. Cachalot. J'ai pas une gousse à mon père. Ah, si, si, il faut. Pas mon gars, je peux pas, c'est dégueulasse. Oh oh. Une date. Le seul truc qui va être bon, c'est la gaufrette. C'est le chocolat dégueulasse. Oh. Ou à midi, on mange. Alors, remarque, c'est quoi ça. Et les desserts. Ils sont trop mignons, regardez. J'adore. Voilà. Bon appétit. Bon, bon. Du coup, il est 16h, on est sorti à 16h. Qu'on refait dans 2h, yes. Chaud. Du coup, on a mangé et on a mis 1000 ans à se préparer. On a passé 2 heures sur TikTok à regarder une meuf manger. Super, là, du coup, on va sur les champs. Oh, mais je suis coiffée, mais non, tout le monde. Super. Du coup, là, on est sur les champs. On a fait les photos, c'était super génial. On a fait les photos, ça rend trop bien. La lumière est trop belle. Et là, on va faire quoi? Bah, on va faire un petit tour. Trouver de quoi faire un petit goûter. Et moi, j'aimerais bien ramener des truffes au chocolat à mon père. Oh, comment je filme. Oh, y'a un mec qui s'est mangé en vélo. C'est vrai, c'est vrai. Je même pas la chute. Je voulais mourir. On a cherché pendant 1 heure quoi goûter pour se retrouver à la brioche dorée. Super. Tout était fermé où il y avait trop de monde. Donc voilà. Bon appétit. J'ai les champs plus tard. On va tester les masques. J'adore. Je suis action. Bon, on sait que c'est pas des masques qui marchent. Hein. C'est des masques qui font rire. Ah, je rêve de la bain de Chicago. Mais genre, ça, c'est ton visage. Ah, ça va mousser, genre. Je crois pas une seconde. J'ai déjà envie de rigoler. J'en ai dans l'œil. Il y avait une bulle dans le trou. Oh putain. Je me suis une. Ça va, j'en ai moussé. Ça commence, moi. Ah bon? Là, notre tête, ça brûle, on enlève. Oh oh oh. Ça me défonce les yeux. Ça va, c'est pas si rouge. Ça me brûle les yeux. Moi aussi. Je suis aveugle. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain, on est lundi. Du coup, je vous ai pas trop filmé ce week-end en fait parce que l'après-midi on est sorti un peu tard. On avait plein de trucs à faire et de penser à sortir la caméra alors qu'on est presque pas de temps, on courait partout. J'ai pas trop eu le temps. Mais du coup, j'espère que ça vous aura quand même plu. J'ai refait mes ongles, je suis trop contente. Ils avaient trop repoussé, c'était immonde. Donc j'ai fait un petit rose comme ça. Je les ai fait chez Kim. J'ai fait un remplissage. J'ai payé 55€. Sinon, je voulais vous montrer, j'ai reçu quelques petits trucs. Des petits colis. Donc voilà, faites pas attention à ça, il y a du fond de teint autour, c'est mon bandeau pour me maquiller. Il faut que je fasse le montage de cette vidéo, j'ai déjà commencé, il me reste plus que quelques trucs à rajouter. Du coup, je vais terminer la vidéo en vous montrant les petites nouveautés que j'ai reçues. Pour commencer, je vais vous montrer les nouveautés de Fenty, c'est la marque de maquillage que j'aime le plus. J'ai plein de produits de cette marque. Pour commencer, j'ai reçu 2 produits comme ça, donc ils appellent ça des voiles illuminateurs pour le corps. Je vais vous montrer, les packagings sont trop beaux, donc ça je pense que ça va plutôt être à utiliser pour l'été. C'est comme ça et c'est à paillettes, donc à mettre sur le corps cet été, ça va être trop beau, sur la peau bronzée. Et ensuite j'ai reçu 3 produits Huda, donc c'est des crayons pour les sourcils. Donc j'ai trop hâte de les tester, j'ai pas encore eu l'occasion. J'en ai ouvert un, du coup d'un côté vous avez le crayon, donc c'est hyper fin, c'est trop bien, ça va être hyper précis. Et de l'autre côté vous avez un goupillon donc pour brosser et estomper, donc je suis trop contente. En plus ils sont hyper fins, donc ça prend pas de place dans la trousse de maquillage, trop bien. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous fais plein de très gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.